c'est moi Zach l'explorateur. Zach! Zach, attends! Oh, il va trop vite! Voyons voir ce qu'il y a ici. Zach! Hé, hey, Zach, attends! Zach, mais attends! Zach! Rex? Oh, Rex, c'est toi! Oh! Salut, Rex, je ne t'avais pas vu. Est-ce que ça va? Il faut que je te montre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu as construit quelque chose? Je ne te dis pas, il faut que tu viennes voir. Allez, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Un tremplin? Tu verras! Une dune de sable avec un tunnel au milieu et des fosses autour. Allez, dis-moi! Tu verras! Tadam! Wow, c'est génial! C'est Oui, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est un fossé! Un fossé? Et pour quoi faire? Pour rouler dedans! Oh! Je peux essayer? Bien sûr! Vas-y! Super! Wow! Wow, c'est chouette! Ah, tu m'as vu? Oui! Salut, Rex! Salut! Oh! Salut, les zoubis! Oh, comment allez-vous aujourd'hui? Salut, Léo! Qu'est-ce que vous faites? Oh! Rex me montre le fossé qu'il a creusé! Le quoi? Le fossé! Léo, attention! Oh! Oh! Tout va bien, Léo? Hé! Hey, saviez-vous qu'il y avait un fossé ici? Qu'est-ce que je dois faire? Oh! T'as juste à te remettre sur tes roues et à sortir de là! Oh! D'accord! Est-ce que c'est par là? Oui, roule comme ça jusqu'à la sortie. D'accord. C'est chouette. C'est chouette, mais ça pourrait être dangereux pour certains zoubis. On devrait mettre quelque chose pour traverser le fossé. Non, ça ne se reproduira plus. Hé, hey, saviez-vous qu'il y avait un fossé ici? Tu as peut-être raison. Trouvons quelque chose qui aidera les zoubis à traverser ce fossé. Et si on faisait un pont? D'accord. Mais allons aider Léo d'abord. Je veux bien. Attends, j'arrive, Léo. Attends, reste comme ça. Attendez. Voilà que c'est moi maintenant. Oh oui, Zach. Savais-tu qu'il y avait un fossé ici? Oui, je sais. On y est, Lily. T'as vu? C'est ça, le fossé. Ah-ah. Oh oui, c'est chouette. Bon, alors, comment on fait? Oh, facile. Je vais remplir le fossé ici avec de la terre pour que les zoubis puissent passer par-dessus. Oh, c'est une très bonne idée. Alors, c'est parti. Ok, recule. Recule encore, Rex. Recule et stop. Juste là. Je décharge. Et voilà. Oh oui. Encore quelques chargements et ça ira. Alors allons chercher plus de terre. Et on décharge encore. Et encore un petit peu. Et on décharge à nouveau. Bravo, Rex. Je vais l'essayer. Et ça marche! Bien joué, Zach! Bon travail, Rex! Oh, salut, les amis! Oh! Mais qui a mis ça là? C'est un pont! Oh, mais je voulais rouler dans le fossé! C'est tellement chouette! C'est vrai que ça va être difficile de rouler dedans avec la terre qu'on a déversée. Oui, j'avoue que je n'y avais pas pensé. On dirait qu'on va devoir... Essayer encore et encore! Oui, essayer encore et encore! Oh non! Est-ce que tu vois quelque chose? Non, rien à part mon meilleur ami. Oh, attends, et ce bâton alors? Quoi? Ce bâton-là? Oui. Et alors? Eh bien, je me disais qu'on pourrait utiliser ce bâton comme pont. Oh, comme pont! T'es un génie, Rex! Mais on aura besoin de deux bâtons parce qu'on a des roues des deux côtés. Oh, c'est vrai. Cherchons un bâton comme celui-là. D'accord. Merci d'avoir enlevé la terre, Philippe. Y'a pas de quoi. À plus tard. Prêt à poser les bâtons? Oui, parfait. Et... voilà. Oh. Maintenant que je les regarde, j'ai bien peur que ces bâtons soient trop fins. Oh, salut les gars. Vous avez vu, il y a un pont. Je peux le prendre? Je crois que ces bâtons sont trop fins, Léo. Oh, je crois que ça va. Ils vont se casser, Léo. Mais non, ces bâtons-là sont... Léo, ils se sont cassés. Je te l'avais dit. On dirait qu'on va devoir essayer encore et encore. T'as besoin d'aide, Léo? Je veux bien, oui. Tu vois quelque chose? Les solutions sont partout. Pas ici, en tout cas. Oh, attends, qu'est-ce que tu penses des feuilles et des tiges de ce buisson-là? Zach, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, tu sais. Ah oui? Et pourtant, elles sont toutes vertes et toutes belles, on pourrait... Je crois qu'on devrait continuer. Tu dois sûrement avoir raison. Mais il faut qu'on trouve quelque chose.
Hé, Rex, attends! Qu'est-ce que tu penses de ce gros bâton? Quel bâton? Celui-là! Où ça? Ouf, je ne vois que toi! Parce que tu ne regardes pas le bâton! Quel bâton? Ici, Rex! Ce bâton! Je ne le vois toujours pas! Non, mais il est juste là! Tu le vois maintenant? Oh, regarde, Zach, un bâton! Oui. Ah. Écoute, les derniers bâtons se sont cassés parce qu'ils étaient trop petits, pas vrai? Oui. Donc peut-être que des bâtons plus grands, comme celui-ci, tiendront mieux. Les grands bâtons sont plus solides, bien vu. Mais tu sais ce qu'il nous faudra? Oui. Deux bâtons! Il faut en trouver un deuxième comme celui-là. D'accord. Allez, essayons encore. Recule, recule et stop! Et c'est parti! Je décharge les bâtons. Est-ce que tu crois qu'ils vont se casser? Non, ils ont l'air solides. Ok, alors j'y vais. Doucement, doucement. Oh, ouais. On a réussi! On a construit un pont, ça marche! Ouais! Oh, qu'est-ce qui se passe ici? On a construit un pont. Oui, et ça marche! Ouais, un pont? Je peux l'essayer? Bien sûr, vas-y! Ok, je me lance! Wow. Tu t'es un peu trop précipité, Léo. Oui, je crois que je dois m'entraîner. Quelqu'un peut m'aider? Oui, attends, je vais... Rex, tu peux venir de l'autre côté, s'il te plaît? Oui. Hé, hey, saviez-vous qu'il y avait un fossé ici? Hé, Zach! On fait la course? Tu rigoles? T'es trop rapide pour moi. C'est pour ça qu'il me faut... Oh, regarde! C'est quoi là-bas? Quoi? Où ça? Un débarcadon! T'as encore essayé de m'avoir, hein? Wow! Avec les roues de course que tu as, tu devrais me laisser quelques mètres d'avance. Oh, regarde ça! Regarde! Magnifique! C'est la première fois qu'on vient dans ce pré. T'as raison! Wow. Et si on le parcourait? D'accord! Allez! Mais il est immense! Oui! Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Oh. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas! On pourrait construire quelque chose! Oh! Comme quoi? Une piste de course, par exemple! Ce serait génial pour les oubis de course. Oui, et je pourrais faire le tracé. Je suis bon en course. Je suis sûr que je dois être bon pour faire des pistes de course. Créer une pièce de A à Z, ça va être génial. Alors, c'est parti. Oui, comme ça, après, on pourra inviter les oubis de course à venir ici. Quel genre de piste as-tu envie de faire? La plus rapide de toutes. La plus rapide? J'aurais dû m'en douter. Oui, pour moi, plus c'est rapide, plus c'est amusant. Alors regarde-moi bien et tu me diras quand je suis le plus rapide, d'accord? Ok, vas-y, je te regarde. Wow! Je sens que ça va être génial. Bon, allez. Alors ça, c'est moi en train de tourner dans tous les sens. Wow! Wow! Tu crois que je suis là, hein? Wow, bravo! Et là, je suis de l'autre côté. D'accord. Wow, t'as vu ça? Je vois ça. Bon, je vais aller par la main. Non, attends. D'accord. Je vais faire encore quelques tours sur moi-même. Wow! Voilà, et maintenant, regarde ça. Wow! Je vais faire des lignes droites. Youhou! Comme une flèche. Tout droit, tout droit. Wow. Alors, quand est-ce que j'étais plus rapide? Oh, c'est sûr que c'était quand tu as été en ligne droite. Ouais, je pense pareil. Ça veut dire que la piste la plus rapide devra être en ligne droite. Alors, au travail! Génial! Merci d'être venu, ami Zoubi de course. Regardez, j'ai fait ma propre piste de course. Trop chouette! J'adore! Bon, alors ça, c'est la ligne de départ. J'ai voulu faire la piste de course la plus rapide qui soit parce que je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus amusant. C'est donc une ligne droite du départ jusqu'à l'arrivée, là-bas. Donc ça va juste tout droit? Oui, c'est chouette, non? Allez, on se tient tous prêts maintenant. Ok, on est prêts, Zach? Oui! On est prêts. À vos marques, prêts, turbo! Wow, c'est déjà fini? Ouais, je trouve que c'était un peu court. C'était pas si amusant que ça. Je ne suis pas un zoubi de course, mais ce que je trouve amusant dans une course, c'est qu'il y ait des lignes droites, mais aussi des virages. Oui, t'as raison. Je devrais peut-être essayer encore et encore. Et je vais mettre un peu de tout cette fois. À vos marques, prêts, partez! Je ne sais pas si c'est... Axel? Alors voilà la nouvelle piste de course. Plus difficile que la première, car elle demande habileté et concentration. Bon. On va commencer ici, tourner trois fois autour de ces bâtons, puis à gauche de celui-là. Après, faire marche arrière vers cette place de stationnement, faire deux cercles, puis monter la colline, passer par les roches, redescendre vers les marguerites, les sentir,
pour enfin franchir la ligne d'arrivée. Combien de fois autour des bâtons? Pourrais-tu répéter, s'il te plaît? À vos marques, prêt turbo! D'accord, mais... C'est à quel moment qu'on doit sortir? Non, maintenant les amis, c'est pas par là. Ensuite, par là. Vous devez faire deux cercles. C'est toi qui te trompes. Oh, n'oubliez pas la place de stationnement. Oubliez les margaritas. On tourne à gauche du bâton. Et tu n'as même pas besoin de tourner autour. Oh, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Voilà, oui. Oh non, je reviens. Comment ça, je me trompe? Je tourne. Oh, attends, voilà. J'ai oublié de tourner autour des marguerites pour les sentir. Pourquoi est-ce qu'ils vont dans tous les sens? Je crois qu'ils sont un peu perdus. Ce parcours n'est pas bon non plus, hein. J'y ai mis trop de choses. Je crois que tu devrais essayer encore et encore. D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien, regardons autour de nous. Les solutions sont partout. D'accord, à vos marques, prêt, turbo. Axel. Waouh, solution à la recherche de solutions. Et si j'utilisais ces aiguilles de pain? Oui, je pourrais les mettre dans Non, ça ne servira à rien. C'est reparti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pomme de pain. Est-ce qu'une pomme de pain peut aider à améliorer ma course? Ah, je crois pas. Je sais plus, Zach. J'ai regardé par là-bas, par ici et encore par là-bas. Je sais pas. J'ai l'impression que je tourne en rond. Oh, mais oui! Et si tu faisais un circuit tout rond au lieu d'un dédale? Comme un grand cercle? Oui, un cercle devrait faire l'affaire. D'accord, pourquoi pas? Hé, les amis, venez, on va essayer autre chose. Alors, que pensez-vous de ça? Doit-on prendre des notes? J'aurais besoin d'un compas? Non, vous n'avez besoin de rien. Ce parcours est facile. Vous avez vu que c'est un cercle? Eh bien, vous n'aurez qu'à tourner, tourner et tourner jusqu'à revenir au point de départ. Maintenant, tu parles une langue que je comprends. Et vous savez, je crois qu'on devrait faire 3 fois le tour. Oh, j'ai trop hâte. On commence? Parfait, alors. À vos marques, prêts, turbo! Oui, c'est parti. Oh, génial. Allez, j'en suis déjà à mon deuxième tour. Hey, Maggie, suis-moi. Oui, vas-y. Oui. Ouais, voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe, Axel? Pourquoi tu ne cours pas? Je préfère voir où je vais quand je fais la course. Et puis, je voulais les regarder rouler sur mon circuit. Tu crois qu'ils s'amusent? Je pense que oui. Regarde! Bien joué, Jérémy! Toi aussi, Maggie. C'était génial. Axel, ce circuit est incroyable. Wow, merci. Et bravo, Jérémy, tu as gagné la course. Et tu gagnes donc un prix. Ah oui? C'est quoi le prix? Eh bien... Tu gagnes le droit de recommencer. Ah oui. Allez, c'est reparti. C'est toi qui gagne. Et on tourne, on tourne. Et s'il y en a un qui a le tournis, on pourra juste y aller dans l'autre sens. Bonjour, Zoubiville. Une nouvelle belle journée. Je me demande ce que je vais faire aujourd'hui. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée la route? Celle qui menait jusqu'à mon garage. Elle était là hier. Bon, Zach, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que la route qui mène à ton garage va être refaite et améliorée. Très bien. Et la mauvaise? On a dû retirer l'ancienne route et on n'aura pas fini la nouvelle avant demain. Au revoir. Oh, mais ce n'est pas un problème. J'ai qu'à trouver une autre façon de rentrer. Bon, alors voyons voir ça. Je n'ai qu'à aller par là et monter sur... Non, je peux pas. Si j'essaie par ici, j'aurais peut-être... Oh, de ce côté alors. Ah, non, même pas. Oui. Oh. Et si j'arrivais plus vite et que... Wow. Tout va bien. Non, ça ne va pas. Dans ce cas-là, je vais le faire en marche arrière. Je recule et... Bon, et si j'essayais par ici? Je n'ai qu'à prendre par le côté et... Bon, allez, peut-être que de ce côté... C'est plus dur que je ne le pensais. Salut, Zach, ça va? Si on veut. Je suis coincé au pied de la colline. Je n'arrive pas à rentrer dans mon garage. Qu'est-ce qui s'est passé? Des travaux. Rex dit qu'ils n'auront pas fini la route qui mène à mon garage avant demain. C'est très bien! Très bien? Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on va pouvoir camper! C'est vrai que ce serait bien!
Oui. Il faudra juste trouver un bon endroit où camper. Un endroit d'où on peut observer les étoiles. C'est une excellente idée. Où pourrions-nous aller? Je sais où. Suis-moi. D'accord. Oh, tu veux camper ici? Non, attends. Alors, ici? Tu y es presque. Ou alors, on peut descendre? Ouais. Dans ce cas, suis-moi. On va aller par là. On n'est plus très loin. Par ici? Oh, tu vas adorer. Je suis sûre que tu vas adorer. Oh, c'est là? Oui, c'est une bonne idée. Oui, tu ne trouves pas que c'est beau? C'est un endroit idéal pour observer les étoiles. Oui, c'est parfait. La vue est tellement belle en plus. Mais, oh oh, tu as vu le ciel? Il est pas mal nuageux. Je crois qu'il va pleuvoir. Ah, t'as raison, regarde. Dormir sous les étoiles n'était peut-être pas une si bonne idée finalement. On devrait remettre ça une autre nuit. Ah oui, sauf que je n'ai pas de garage. Oh. C'est pas grave ça. On pourrait construire un abri. Oui, bonne idée. J'adore construire. Alors, on aura besoin de... je veux dire, il nous faut... Attends, comment on fait un abri? On va y arriver. Il faut juste construire quelque chose qui nous protège de la pluie. Oui, mais qui ne nous cache pas cette magnifique vue. Tout à fait, Zach. Allons chercher ce qu'il nous faut. D'accord. Oh, et des feuilles. Ça pourrait être utile pour un abri, non? Bonne idée. Elles feront un parfait abri. Bon, alors il faut qu'on les transporte jusqu'au terrain de camping. Ok, alors je vais pousser d'un côté okay, et tu pousseras de l'autre, d'accord? Allez. Attends, je vais t'aider. Ok, comme ça. Le meilleur abri au monde. Je ne sais pas trop. Mais bien sûr, il nous protégera complètement de la pluie. Oh, sauf que je ne vois rien. Oui, c'est ce que je me disais. On est protégé, mais on doit pouvoir voir les étoiles. Oh oui, et tu vois toi? Non, je ne vois rien. Peut-être qu'il fait nuit? Je ne crois pas, je crois juste qu'on ne voit pas. On doit faire un abri d'où on pourra voir. Essayons encore et encore. À bon Marc. Prêt? Turbo! Hé, Lily, regarde! Je porte un chapeau. Oui, il est joli. Et si tu le gardais? Je vais voir combien de temps je peux le garder. Oh, okay. Attention, chapeau. Ok, continue comme ça. Je l'aime bien. Oui, c'est mon chapeau de feuille préféré. Oh. Hé, Lily, on peut utiliser ces branches? Si on arrive à en fixer quelques-unes au sol, on pourrait en faire un mur. Oui, mais après? On en met d'autres au-dessus pour faire un toit. Oh, bonne idée! D'accord, emmenons-les. Je prends ce côté. Oui. Et tu pousses d'accord. avec moi, d'accord? Uh-huh. Mais... Il faut juste que j'arrive à... Hein, comme ça. Ça y est, on a réussi! Oui, c'est chouette! On a des murs et un toit. J'ai trop hâte de m'y mettre. Oui, allez, entrons. D'accord. Attention. Oh, oh, oh. J'ai touché le mur. Ok, attends. Fais attention. Faut juste qu'on... Attention. Je crois que c'est un peu fragile. C'est difficile de construire un abri. Peut-être que nous n'en sommes pas capables. Non, il faut juste essayer encore et encore. Tu sais ce qu'on dit toujours? Les solutions sont partout. D'accord, tu as raison, Zach. Alors, sortons d'ici et allons en chercher. Oui, allons-y. Ok, une souche? Est-ce que ça peut nous servir? Non. Voyons voir. Et cette plante alors? Je ne crois pas non plus. Ouf! Oh, désolée, plante! Oh, cette pierre peut-être? Non, c'est trop lourd. Je ne crois pas que ça nous soit utile. Une écorce? Non. Oh, une écorce! Hé, hey, tu as vu ce morceau d'écorce, Zach? Il est déjà rond. Oh, oui! La pluie ne pourra pas passer au travers. Oui, allez, ramenons-le à l'abri. D'accord, je m'en occupe. Tu es sûr? Ouais. D'accord. Tu viens, Zach, c'est par là. Allez. J'arrive, c'est juste que je ne vois rien. Je te suis à ta voix, en fait, Lily. Ok. Lily? Oui, continue tout droit, je suis là. Lily, d'accord, je te suis à ta voix. Par ici. On a réussi, Zach. Oui, c'est génial. Ce toit est parfait. On a fait un super abri d'observation d'étoiles. Oui, tu veux qu'on l'essaye? Oh oui, et toi, t'en as envie? Alors, allons-y. On essaye. Alors c'est parti, doucement. Ok, doucement. On se raconte des histoires de fantômes? Oh oui! Mais d'abord on va observer le ciel. Ensuite, on pourra s'en raconter et passer la nuit à parler. Oui. J'adore ça! Zach? Zach? Tu dors? Oh, Zach! D'accord! Et tu l'as fait tomber, Lily. Tu devrais peut-être essayer. D'accord. Ok, on pourrait le faire ensemble. Je l'ai. Ok, essayons encore. On l'a fait tomber. Oui, presque. Ça y est, on le tient. Bon. Oh, on l'a fait tomber. Elle est prise dans ma roue, je crois. Ok, je l'ai. Tu l'as fait tomber. Et je roule dessus en plus.
Ok, allons-y. Attends, je vais essayer de me redresser. Oups, je me suis retournée. Ça va aller, Lily. Tu peux m'aider? Je suis là. Ou juste me pousser? Ne t'en fais pas, je vais... Un petit coup. Pousser de ce côté et... Oh, c'est toi qui es retournée maintenant.